Bonjour à tous, Hugues FPS, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo assez spéciale. On part dans le rétro, mais dans le rétro, je dirais vintage. Et pourquoi donc? Parce que c'est du rétro où je n'étais même pas encore né. C'est quelque chose que j'ai reçu, je l'ai, je pense, plus allumé depuis, ça fait quoi, 20 ans, facile. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. C'est là. Donc j'ai des piles pour cette petite bébête. Je les ai déjà mises dedans. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était quand même assez énergivore. Donc 4 grosses piles de type. C'est quel type encore ça? CLR14. Vous voyez les belles piles bien lourdes là, oui. Les briques, quoi, les cylindres, les tonneaux. Quoi. Donc voilà, Alien Attack de Tommy, Dynamic Multiscreen, LSI CPU, je sais pas s'il y a un CPU dedans, FIP Index Panel, Microcomputer Game, et ça venait, attention, de Konami Industries apparemment. J'ai jamais fait attention à ça quand j'étais petit. C'est sorti en 1979. Pour les Français, 1979. C'est bien comment ça se passe. Je suis né en 1980. Je sais plus trop quand mes parents m'ont offert ça, mais à mon avis, je devais avoir quoi, 6 ans, 6, 7 ans, peut-être 8, je sais plus. Je n'ai plus les neurones qui savent retourner aussi loin. Donc on va allumer ça. Faire un gros plan naturellement. Hein. Là, je... Oula! Eh ouais, c'est bien. C'est tout? Et quoi, commence comment? Oui, ça commence tout de suite ici. Il n'y a même pas de pause au fait. C'est bien, comment ça se passe? C'est bien, comment ça se passe? Bon voilà, on va faire une petite partie. C'est bien, comment ça se passe? On y va. Note, donc il y a un bouton pour descendre, un bouton pour monter, c'est tout simple, et un bouton pour tirer. Donc il y a plusieurs couleurs. C'est assez basique, hein. On a notre le score ici tout à fait à droite. Et alors on a la barre de vie de notre petit avion. Le but c'est d'avancer naturellement. C'est plus trop. Ouais, il faut éviter les tirs aussi. Je ne sais plus trop s'il y a des boss. On va voir ça tout de suite. Si j'arrive entièrement. Oh! Warning, je me suis fait péter. Ah, donc il faut recommencer. Ah non, encore une petite vie là, je pense. Oh, yo. Allez. On y va. Ça peut être le diesel. C'est pas beaucoup de bruit, hein. On dirait qu'il y a un vibreur intégré dans le truc, mais. Évidemment avec l'appareil photo. $360. Waouh. Youpi yo. On s'envoie des petits missiles aussi. Ah, si on peut appeler ça des missiles, oula, ça devient complexe ça. Y'en a qui font des sales bruits. Ouh, moi j'ai plein de crises d'épilepsie ici. On commence un peu à se... Thank you.
pas évident, hein. Waouh, 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 ça pue pour moi. Non, ça va. Et vous les gars, il y a un jeu comme ça, rétro, qui vous fait penser à votre jeunesse ou quoi? N'hésitez pas à le laisser en commentaire. Waouh, waouh, maintenant il y a des murs, quoi. Attention, ça devient complexe, les gars, je vous le dis. Waouh, 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 faut passer au bon moment. Je sais pas pourquoi il fait un bruit pareil, à mon avis, il va rendre l'arme ou quoi. Oh, oh, j'y arrive. 1050 points, qui dit mieux? On va faire des concours comme ça. 1080. Je vous rassure, l'appareil ne vibre pas. Hein. Wow, qu'est-ce qui se passe ici? Oh. C'est le boss ou quoi? À mon avis, c'est le boss. Ouais. Il est en train de me prendre pour un as, le boss. Ah ouais, j'ai mal à la main. C'est vicieux, hein, comme truc. Oula, j'ai plus beaucoup de vie. Mais non. Mais non. Wow. Bon, quelle serait la technique? Ah ouais, j'ai ma vie qui descend en plus. Vas-y, faut rentrer dans la matrice. Ouh, je suis presque dans la matrice, les gars. Ouah, bordel, je suis rentré dans la matrice. C'est bien comment ça se passe. Eh ouah, ça recommence ou quoi? Eh ouah, t'es sérieux? Ça rigole plus là, je suis rentré dans la matrice. Ben voilà, je vais arrêter ici. Toi, vous avez vu le premier stage, à mon avis, c'est pas le premier boss. Il fallait rentrer dans la matrice, c'est bien comment ça se passe. So, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment du vintage rétro gaming. Ça représente énormément pour moi, ça a toujours été quasi présent dans ma vie, entre guillemets, quand j'étais tout petit. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu, à partager et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, je vous dis bonne semaine et à la prochaine.